vous me permettrez de remercier certaines personnes qui ont contribué d'une façon exceptionnelle à cette réalisation. Monsieur Michel Bonsin, ex-secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui a pavé la voie. Messieurs Jacques Chagnon et François Paradis, président de l'Assemblée nationale, qui ont donné l'élan et surmonté les embûches. Madame Lise Moreau, chef de cabinet de ces deux présidents successifs, qui, oui, Lise, a gardé mon dossier sur le dessus de la pile sur son bureau pendant des mois et des mois et des mois. Elle m'appelait régulièrement pour me dire qu'elle ne m'oubliait pas. Et un jour, elle m'a dit, « Madame Lapointe, c'est réglé. » Merci, Lise. Les merveilleuses personnes de la Commission de la capitale nationale, M. François Grenon en particulier, secrétaire général, et toute l'équipe qui sont d'ailleurs responsables magnifiques de l'aménagement du site. La Fondation du Grand Montréal, qui nous a aidés à créer le Fonds Jacques Parizeau afin de recueillir les dons nécessaires pour le monument. Et je salue Mme Catherine Fizette, qui en est la directrice Affaires publiques et communication. Mme Marie-Josée Gagnon, la jeune attachée de presse de Jacques Parizeau, lorsqu'il était chef de l'opposition officielle et premier ministre, présidente de Casacom Communication et son équipe pour leur généreux soutien. Monsieur Emmanuel Bilodeau, comédien, porte-parole de la campagne de financement populaire qui a été lancée et réalisée. Monsieur Charles Olivier Roy, un artisan de talent qui produira une médaille commémorative de cet événement. Maître Jacques Reeves pour son soutien juridique. J'achève, je m'excuse. Les 27 membres du comité d'honneur du Fonds Jacques Parizeau, merci pour votre confiance et votre engagement. Les membres du comité directeur de l'Assemblée nationale, nos très précieux guides et conseillers. Madame Annick Bourgeot et M. Jules Lassalle. Nos sculpteurs, dont les qualités humaines sont aussi remarquables que leur talent. Et je salue ici... Oui. Et je salue ici avec gratitude les 370 personnes qui ont fait un don et rendu ce monument possible. Sans vous, nous ne serions pas ici aujourd'hui.